mission repose sur la capture rapide du module championne. Chorale terminée. Donc apparemment... Le module est lourdement protégé par de l'artillerie et nous vous confions le modèle du générateur de bouclier mobile de Tech 2 Havre. Construisez-en quelques-uns pour permettre à vos unités de s'approcher de l'ennemi sans subir trop de dommages. Chorale terminée. D'accord. Ici le directeur Elliot. Les Aéons attaquent le module 73. Faites quelque chose. De mémoire, c'est pas le module 73. C'est quand on est dans la campagne des Cibrons. Ne bougez pas. J'ai des unités en approche sur notre position. Donc là, en plus, avantage... par contre, faites attention à pas détruire le module. Ah oui, ça, j'ai oublié de le dire. Vous savez, la tendance qu'ont mes navires, moi, à dégommer les bâtiments et les modules. Faites attention à ça, quand même. Hein. Voilà, je préfère le dire. Comme ça, si jamais ça vous arrive, je vous ai prévenu. Le succès de la mission repose sur la capture rapide du module, championne. Chorale terminée. Donc j'ai construit ces frégates uniquement pour... ces frégates. Pour moi c'est des frégates, des petits navires. Pour avoir un anti-aérien en début de partie, c'est tout. Pour protéger mes usines navales. Je vais construire quand même quelques fortifications. Faut que je bute les ingénieurs. Le nombre d'ingénieurs. Alors pour attaquer quelque chose avec précision, les vaisseaux de combat sont juste extraordinaires. Ça je dois l'admettre. Voilà donc. Ah, il faut que je fasse mes deux flottilles. Bon. La princesse a donné l'ordre que le module soit capturé immédiatement, championne. Chorale terminée. Ouais, bah, a donné l'ordre, c'est vrai que c'est pas le combat. On sera votre tombe. Ah, donc. Là, j'avance bien. Par contre, ce qui est bien avec cette map, c'est qu'il y a énormément de ressources de gisements et vous pouvez facilement vous faire plaisir. Voilà. Mais bon, globalement, on a déjà fait les dégâts. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la construction de ma flotte. Alors, pourquoi je fais une flotte parce que, si vous vous souvenez bien, il y en a un à droite à capturer, il y en a un en haut. Et qu'on sait qu'ils sont tous protégés par... on sait que tous les processeurs sont accessibles par l'eau. Donc, on va y récupérer par une flottille. C'est ça la logique. Pourquoi je construis un navire. J'ai perdu deux navires, c'est pas grave. Le succès de la mission repose sur la capture rapide du module, championne. Chorale terminée. Faire ça, après on va faire ça, après on va... Faire ça. Ensuite ça. Ça. Et ça. Donc ma première flottille est opérationnelle. Le succès...
la mission repose sur la capture rapide. Voilà, voilà. Corral terminé. Donc là, c'est ma deuxième flottille qui est en train d'être construite. Ah, je suis au courant que ça prend du temps, mais il n'y a pas que chaud au bout d'un moment. Hein. Si on veut que quelque chose soit bien fait, il faut prendre son temps parfois. Donc là, j'ai déjà mon escadre de croiseurs. Le succès de la mission repose sur la capture rapide du module championne. Corral terminé. Je suis pas d'accord avec toi, c'est pas la capture rapide qui compte. Faut être efficace, stratégique. Pas faire de bande. Sonar, et ici je vais construire deux plateformes de ravitaillement. Alors, les plateformes de ravitaillement, moi ça me permet de faire un truc, ça me permet quand mes vaisseaux ont beaucoup combattu tout ça, de se ravitailler à un endroit précis. La princesse a donné l'ordre que le module soit capturé immédiatement, championne. Corral terminé. Elle a pas l'esprit militaire. J'ai... tous un peu d'écailles, production. Voilà, donc ma flotte peut maintenant aller là-haut. Voilà, là, je suis d'accord. De capturer. Le module a été capturé. Les techniciens préparent une connexion via une liaison quantique. Corral terminé. Zone d'opération élargie. Nos techniciens n'ont pas pu pénétrer plus profondément dans le réseau des modules. Ils fournissent simplement leur puissance de calcul à un ordinateur dans le nord. Celui-ci est lourdement défendu, mais nos techniciens ont pu isoler et neutraliser toutes les structures défensives à proximité. Capturez l'ordinateur pour que nos techniciens puissent continuer leur travail. Une fois que l'ordinateur aura été capturé, les défenses voisines seront sous votre contrôle. Corral terminé. Alors. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié un truc. L'artillerie. Ça se voit que j'ai un truc que j'ai mal fait quand même. Ocean sera votre tombe. Non, s'il te plaît, ma flotte, j'aimerais bien que vous... Ah, donc là, c'est le but là, c'est vraiment de passer la ligne de défense ennemie, qui est assez lourde, j'en consens. Enfin, je le consens plutôt. Et là, oh, le nombre de feux follets qui partent, c'est impressionnant. Alors là on peut faire le tech 3. Ouh, les bombardiers stratégiques déjà. Ouh, ouh. Ouh là il me plaît. Alors on fait mission, chaque chose en son temps. Après ils vont demander de capturer les modules complémentaires. On va faire ça après. Sera votre tombe. Voilà, pour l'instant, on a ces deux radars là. Les techniciens sont prêts à fouiller l'ordinateur, mais il faut d'abord que vous le capturiez, championne. Ah, ici, c'est bon. Ici, il y a un sonar, donc là, on va rajouter. Là, on va rajouter quelques trucs navals. Voilà, on va rajouter 3 là, par exemple, plus 3 là. Alors, vous êtes sûrement en train de vous demander, mais qu'est-ce que. Potion sera votre tombe.
C'est sûr, pour vous qui découvrez le jeu, c'est pas forcément facile à comprendre tout ce que je fais. Voilà, la base. C'est pas la base de l'ordinateur principal, ça c'est la base qui défend l'ordinateur principal. Vous voyez, juste à côté, l'ordinateur principal est juste là. Je peux faire ça si vous préférez niveau couleur, mais j'aime pas. Voilà. Tous les personnes neutres sont cette couleur, tous mes unités sont en bleu, tous les personnages alliés sont verts. Les ennemis sont forcément cette couleur. Moi je préfère cette couleur là. Avis personnel, bien évidemment. Après, vous ne pouvez pas être d'accord, moi je vous donne le mien. Les techniciens sont prêts à fouiller l'ordinateur, mais il faut d'abord que vous le capturiez, championne. Coral terminé. Voilà. Bah, ton ordinateur, moi, c'est bon. Voilà. Là, à droite, c'est bon. Là, je vais juste faire maintenant deux raids d'éclaireurs pour en avoir 20. Pour bien scouter que j'ai rien. Voilà, donc là j'ai bien tout démoli à cet endroit. À gauche il n'y a rien à part la fortification là. L'ordinateur est la clé du plan de la princesse. Capturez-le immédiatement, championne. Coral terminé. D'ailleurs, ça m'avait pensé que nous on va aller un peu plus à gauche. Faut bien vérifier qu'il n'y a rien d'autre. Ah, il y a bien des amis de défense. Au sud, on s'en fiche. Là, si on va là. Voilà, maintenant on a vu toute la map. Là j'attends, je suis désolé mais je dois attendre que mon ingénieur ait fini. Bon, quoique, mon ingénieur a déjà fait pas mal de boulot. Nous nous sommes infiltrés dans l'ordinateur et nous cherchons. Protégez l'ordinateur à tout prix. Coral terminé. Voilà. Capturer et défendre l'ordinateur central, capturer et les modules doivent être capturés pour que les techniciens puissent continuer leur travail, championne. Coral terminé. C'est pour ça que je n'ai pas tout fait d'un coup. Maintenant on va faire ça. Essayez de foutre le plus de mettez toujours le plus de boucliers que vous pouvez autour. Et après vous essayez de renforcer comme vous pouvez quoi. Attaque Cybran en approche. Elle semble se concentrer sur l'ordinateur. Mais n'oubliez pas de défendre les modules. Coral terminé. Commandeur, attaquez. Championne, les Cybrans tentent de couper l'ordinateur du réseau. Vous devez protéger les modules dans notre secteur jusqu'à ce que nous ayons extrait les données nécessaires. Capturez les modules et défendez-les contre les Cybrans. Coral terminé. Pas aujourd'hui, Aeon. Le module 74 a été capturé. Renforcez la position comme bon vous semble. Coral terminé. Les techniciens travaillent toujours, championne. Continuez à défendre les modules. Coral terminé. Avoir un accès total au réseau Cybran si nous voulons découvrir leurs secrets, championne. Capturez ces modules immédiatement. Coral terminé. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris une petite défense quand même au sud, c'est par rapport au sang à ce moment-là. Les techniciens avancent. Mais il leur faut un peu plus de temps. Coral terminé. Maintenant, mon commandeur va capturer ça là-bas. Là, normalement, l'ordinateur principal est plutôt bien protégé. Protégez
protégez-les. Bon bah j'ai pas eu le temps de... Ça permet d'accélérer la vitesse en gros de capture. Voilà, si j'ai perdu tous, bon c'est pas grave, j'ai perdu un. C'est la vitesse en gros de recherche qui. De vitesse de recherche qui diminue fortement. Ils sont presque finis. Les techniciens ont juste besoin d'un peu plus de temps. Coral terminé. Ouais, j'aurais dû y capturer avant de capturer l'ordinateur principal, j'ai hésité, j'aurais dû le faire, je savais que. C'est pas grave. Potion sera votre tombe. Ouais. Et il y a des bombardiers stratégiques aussi. Pour ceux qui s'en doutaient pas. Oui, parce que sinon c'est pas drôle. Faut quand même admettre que sans bombardiers stratégiques c'est pas drôle. Au moins là-bas. Bon, là-bas il me reste toujours ça, mais il passe toujours un temps monstre dessus. Donc moi ça m'arrange. Plus il passe de temps dessus, mieux c'est. Par contre, dommage quand même que j'ai perdu le module Honor. Captain Defender, tout à fait, c'est pas grave. Voilà. Donc vraiment fortifier diable d'avance en fait les positions. Moi j'ai grid. Encore du grid, le grid ne paye jamais. Le voile a été levé et maintenant, je comprends. Revenez ici, championne. Il y a beaucoup à dire. Capturer, défendre les trois modules. Non, j'en ai perdu un de module. Bon, pas grave. Vous avez rendu un grand service à la princesse championne. Il semble qu'un grand nombre de personnes reviennent de camp de Marxin. La princesse est mal en point et je crains pour elle. Ainsi que pour tout notre peuple, elle comptera sur votre force dans les jours à venir. Je ferai ce que je peux, mais je crains de ne jamais voir la fin de ce conflit. Protéger Ryan, championne, le futur doit lui appartenir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie. Donc, une vidéo, une mission assez simple. Mais voilà, si vous voulez faire une différence, vous capturez d'abord les modules. Vous avez vu les axes d'assaut, les unités aériennes et navales, d'où ils arrivent. Fortifiez lourdement en anti-aérien. Les positions, vous faites une bonne flotte de chaque côté pour pouvoir contrer le naval. Vous pouvez même faire une troisième flotte que vous mettrez tout au nord de la map, ce que j'ai pas fait pour protéger des attaques aériennes. Que 3 heures, ça devrait suffire. Et voilà. En commençant à regarder cette vidéo, ma compagnie, je vous dis à une prochaine fois, ça porte tout bien. Et à ciao tout le monde!